Bonjour tout le monde. Bon, eh bien on s'est chié tous dessus, hein. Parce qu'on avait le match en main, on menait 3-0, mais les joueurs ont relâché. Bon, je pense que ça va gueuler dans le vestiaire. Poyet va les recadrer un peu, en plus il a fait des erreurs, il a admis après le match. Voilà, ça change de Gourvennec, déjà parce qu'on gagne, et il a admis ses erreurs. Donc au moins, on a gagné, c'est l'essentiel, on a pris. Enfin, on est sur 4 victoires d'affilée, personne n'y croyait, et bien c'est très bien. On est peut-être de retour à la course à l'Europe, on va pas trop se vanter, on va pas trop se lamenter. On va à Marseille, on reçoit Nice, on va à Monaco. On jugera après ces matchs. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un joueur, le mec, il sort du centre de formation, il a 19 ans, c'est une bête. Jules Koundé. Le mec, il est énorme. Il est énorme, ce mec. Sans déconner, son but, le mec, il avait une détente. Il s'est levé à je sais pas combien de mètres. Chapeau petit. Chapeau le mec. Putain, il est serein, tu vois. Je sais pas. Franchement, faut que tu continues comme ça. Voilà, on avait dit 3-2. Les ultras, ils ont fait 10 minutes de grève et je le comprends tout à fait parce que leur banderole, elle résume tout. Pas de supporters, pas de football. Y a rien d'autre à rajouter. Ils ont tout dit. Ils ont tout dit. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Ben, on a mené 3-0. Moi j'ai envie de dire vivement qu'on a un arrière-gauche aussi parce que ce côté gauche. J'en ai marre quoi. On a un bon côté droit, il n'y a rien à dire. Bah alors le côté gauche, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Voilà. C'est tout. Après, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Moi ce que j'espère, bon bah voilà, ce match on l'a gagné 3-2, on a eu chaud. Maintenant ce que j'espère, c'est que contre Marseille, tu essaies d'avoir un nul, ça serait bien. Donc, pour moi, un nul, je signe de suite. Ensuite, Nice, t'essaies de les taper parce qu'en ce moment, ils sont pas bons, faut être honnête. Et Monaco, t'essayes de les accrocher aussi. Tu vas pas mettre le bus, t'essayes de jouer ton jeu, comme tu fais depuis quelques matchs. Et voilà, t'essayes de faire quelque chose, surtout comme Marseille et Monaco. Voilà, c'est tout, voilà ce que j'ai à dire. Donc, oui, dans ma description, je vais mettre, si vous voulez, pour ceux qui veulent me suivre, bien sûr, je vais mettre mon Twitter, mon Snapchat. Et mon Insta. Donc bon, ceux qui veulent, ils peuvent me suivre, etc. Sur Insta, etc. Pour laisser les trucs. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est qui a marqué déjà? Je sais même plus. Camano, il a marqué, alors que le mec, il avait pas joué depuis je sais pas combien de temps. C'est qui a marqué déjà? Koundé, Camano, oui. Et les ragueurs. Voilà. Bah, c'est bien. Maintenant, on verra ce qu'on fera à Marseille. Essayer d'arracher un nul, ce serait bien. Un nul, ça serait bien. Voilà, c'est tout. Je me répète, mais faut pas se relâcher comme ça, les joueurs. Franchement, à 3-0. Attention, hein. C'est pas. Hein. On sait d'où on vient, hein. Donc faut jouer à fond, à fond. Et Poyet, il a mis ses erreurs, il a passé 5 derrière, c'est pas bon, il sortira mal comme. Donc voilà, au moins, les joueurs se sont remis en question. Le coach, il s'est dit qu'il a fait des erreurs, c'est bien. Maintenant, à Marseille, essayez de faire un gros match. Et si on gagne, bon là, bah, c'est la fête. Mais un nul, ça sera déjà très bien. Et soutien aux Ultramarines encore. Mettez-le dans les commentaires. Et comme je l'ai dit avant. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Insta, Snap et Twitter. Voilà. Allez, à plus, c'était Romiche. Voilà, c'était Romiche tout simplement.